Aujourd'hui en fait, j'ai rien à faire, l'événement est terminé. Donc on va en profiter parce que mon avion est à 1h du matin. Donc j'ai rien du tout à faire et on m'a emmené gentiment pour visiter un petit peu. Là on est dans un marché, c'est super joli, ça ressemble un peu au Maroc dans les souks. C'est juste un petit peu différent. Pas dit, mais ici la monnaie au Koweït elle est super chère. Je crois que c'est la monnaie la plus chère au monde. On a genre un taux de change dégueulasse. D'habitude on est bien, mais là on est horrible. Mais on a pu avoir un bon deal et malheureusement j'ai craqué. Et qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Ma banquière elle va vraiment pas être contente. Allez, on est de retour à l'aéroport. C'est l'heure de reprendre l'avion en direction la France. Forcément. Avec le billet business, ça va être bien plus sympa. Là, je vais à la lounge, voir comment ça va, comment c'est par rapport à Lyon, par rapport à Istanbul. Et je pense que ça va être un voyage assez agréable. Là, il est déjà 23h et j'ai patienté 7h dans le lobby de l'hôtel parce qu'en fait, j'avais un checking à midi et après, l'importateur KTM m'a fait visiter le Koweït, donc c'était plutôt cool. J'espère que les images vous ont plu. Et maintenant, c'est l'heure de rentrer à la maison. À l'année, on a eu des avions vraiment beaucoup plus petits et là on a un avion plus grand, donc vous voyez maintenant c'est des vrais sièges de business, on va pouvoir profiter du voyage et dormir un petit peu avant de reprendre mon autre connexion pour aller à Lyon. Le français parisien, c'est-à-dire... Dormir dans un avion, ça n'arrivera pas souvent, alors bonne nuit. Je monte à Amnéville parce qu'il y a un Supercross ce soir là-bas. Et la dernière fois, j'ai filmé, vous souvenez, au Supercross de Lyon et Tom Paget, c'est son manager, ils avaient bien aimé la petite vidéo que j'ai faite d'eux. Donc il m'a demandé de revenir avec eux et de filmer pour lui aujourd'hui. Donc voilà, on va au Supercross et faire une mini vidéo pour lui. Fin de ce trip, fin de cette bonne semaine, c'était vraiment cool. J'ai pu voyager, j'ai fait pas mal de choses cette année et les vidéos ont plutôt bien marché, donc je suis content. Merci à toutes les personnes aussi qui étaient présentes sur le live, c'était bien sympa. J'ai fait un petit live il y a 2 ou 3 jours sur YouTube, donc je pensais pas avoir autant de questions et tout ça, donc je vais le refaire très rapidement et pourquoi pas avec quelques invités. Voilà, bonne fête à tous, à bientôt. Pensez à souscrire, pensez à mettre des pouces bleus aussi. Vous avez vu, l'algorithme de YouTube a changé, donc maintenant c'est compliqué d'avoir des vues si on n'a pas tout ça. Donc voilà, je compte sur vous. Salut, bonne fête à tous, bonne année et joyeux Noël.